Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Dolène à Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage au jour de ce samedi 22 avril 2023 avec, et comme toujours et pour commencer, Monsieur le jeu 32. Allons-y, c'est parti mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ben moi oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. On va regarder donc ce qui va se passer pour cette journée de ce samedi 22 avril 2023. On va commencer par rapport à la numérologie. Donc 22, on n'additionne pas puisque c'est un maître nombre. Et en plus, celui, il est maître nombre puissant. Donc vous avez le 11, le 22, le 33, le 44 qui ne s'additionnent pas en numérologie. Donc pour cette journée de ce 22 avril 2023, avec ce maître nombre puissant, le 22, va nous parler de quoi? Ben justement, pourquoi il est puissant? Parce que c'est un chiffre qui va vous protéger pour cette journée. Alors bien sûr, vous décalez, hein, soit vous mettez donc pour cette journée de ce samedi, voire dimanche, voire lundi. Peut-être que il y a eu des choses qui ont été peut-être évitées. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, puisque ce maître nombre 22 puissant vous protège. Vous êtes dans une bulle de protection et surtout, vous êtes protégé face à l'adversité, face à vos ennemis, par rapport à une problématique. Donc voilà, là, si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à un projet, par rapport à une évolution professionnelle, peut-être que si c'est dans un nouveau poste ou un nouvel emploi, peut-être que vous allez ressentir qu'il y a des personnes négatives. Et là, tout de suite, hop, vous êtes protégé, vous serez dans votre bulle et on aura beau vous essayer de vous titiller ou quoi que ce soit, et ben ils peuvent toujours courir parce que ça ne marchera pas. Concernant la planète associée à ce samedi, c'est la planète Saturne. La planète Saturne est tout ce qui est lié au retard, au contre-temps. Alors, si on l'additionne avec ce maître nombre 22 puissant, ben justement, peut-être qu'on va essayer peut-être de vous retarder, ou alors il y a des choses qui sont retardées par rapport à une situation. Et là, boum, balaboum, ben avec ce chiffre, hein, enfin ce nombre, pardon, 22, ben les choses vont on va dire que ça va disparaître. Tout ce qui était négatif, ben, le maître nombre 22 va se transformer en positif. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose où vous allez trouver une solution pour certains. Pour d'autres, il y a peut-être des retards, des contretemps par rapport à une problématique, comme je viens de vous le dire, mais on va peut-être vous annoncer une nouvelle qui va vous impacter, mais on va dire dans le côté positif, d'accord? Même si c'est des personnes que vous connaissez actuellement qui sont négatifs, méchants, etc., et ben avec ce maître nombre puissant, les choses vont disparaître. Hein. Ces personnes-là vont, allez hop, on déblaye. On déblaye en fait tout ce qui est négatif. Bon, on va regarder tout ça. Hein. Allez, c'est parti. Mon kiki, voir si on ressort des choses négatives. Et si, sur ces choses négatives, en tous les cas, regardez, il va y avoir du changement. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement avec cette carte du 10 de carreau. Hein. La carte du 10 de carreau est la carte des changements, du déménagement. Donc, les choses vont bouger hein, pour vous. Vous allez être dans votre bulle de protection. Et ça, c'est cool. Allez, on y va. Monsieur le jeu 32 pour ce samedi 22 avril 2023. Donc là, on nous parle de certitude. On va regarder derrière ces deux cartes. Mais là, dans cette coupe, nous avons la dame de pique. La dame de pique est représentative d'une maman. S'il n'est plus votre maman, elle vous protège de là-haut. Avec certitude, ça, c'est cool. Sinon, cette dame de pique peut vous représenter. À condition que vous soyez veuve, divorcée, célibataire, vous n'ayez plus de la cinquantaine. On nous parle de quoi? Certitude dans tout ce qui est dans le domaine médical ou tout ce qui est dans le domaine de la justice. Alors, est-ce qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à une procédure? Je vous ai dit, vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Alors là, on a vous, ou alors on a une maman, on a derrière la dame de cœur, on a quelque chose d'inattendu, voyez, et de façon rapide. Il y a un événement qui fait que, ça peut être dans les 24 heures, 48 heures avec cette carte du 10 de pique, mais ajouté avec ce 8 de cœur, on nous parle de quelque chose d'inattendu. Il y a un bouleversement là qui va se faire. Ça peut nous parler d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère, et on nous parle dans tout ce qui est dans le domaine familial. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui est bloquée, qui est retardée par rapport à des papiers? Peut-être par rapport à un héritage? Est-ce que c'est par rapport à une situation d'ordre juridique, concernant une procédure? Et les choses vont se décanter en tous les cas. Bon, on va regarder ce que ça ressort avec votre tirage du destin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va prendre par là. 12, 13. On a quoi? On a de la colère. Hein. Il y a de la colère là avec ce 7 de carreau à l'endroit. Hop, hop, hop. Non. Ah, je fais ça bien. Hein. Bah, tiens. C'est bon là? Non. Ah, j'ai oublié de dire à mon mari pour le micro.
parce que j'ai vu qu'il y avait, je l'ai dit hier, mais j'ai oublié de lui en parler. Oh, la vilaine, Oli. Donc, promis, je fais ça ce week-end. Allez, hop, 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 hop. Allez, on y go, c'est parti. Colère, voyez, tout ce qui est dans le domaine. Waouh. Bon, ça sera vraiment minime, hein, la colère, parce que regardez-moi ça. Bon, on a quand même cette carte de blocage. Ok. On a, alors, la carte de colère, elle était comme ça, pardon. On nous parle de colère. On nous parle de tout ce qui est lié au financier, tout ce qui est lié, c'est la carte du gain et c'est la carte du travail, concernant le domaine professionnel ou dans le domaine financier. Mais la colère, comme je vous ai dit, elle ne sera que passagère puisque nous avons quand même un 9 et là, 2 9. Donc 2 9, c'est petit gain, mais quand même, à la différence du 8 de trèfle, c'est vraiment le gain. Donc là, il y a vraiment quelque chose, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent ou dans le domaine professionnel ou d'une évolution. Là, on voit que vous tournez en rond, mais que ça sera de courte durée parce que les choses vont se décanter avec ce 9 de trèfle et surtout confirmer avec ce 9 de cœur. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles, hein. La joie, la bonne nouvelle, c'est que vous allez la recevoir soit par email, soit par téléphone, soit par texto, par courrier recommandé. Suite à ça, vous allez devoir vous déplacer et suite à ces petits déplacements ou ce petit déplacement, vous amènera la réussite concernant les blocages. On a bien vous, mon consultant, ma consultante, et on vous dit bien, voilà, on a du couple. Hein. On a le couple avec certitude. Donc là, on vous dit bien que vous êtes soutenu. Hein. Quand vous avez ces deux cartes réunies l'une à côté de l'autre ou une sur l'autre, vous avez du soutien de votre partenaire masculin, féminin. Et en tous les cas, on vous dit avec certitude, le couple est solide. Hein. Donc là, quoi qu'il arrive, il y a des bonnes nouvelles, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre mari ou pour votre femme. Bon, on y go, c'est parti. Waouh, génial. On nous parle de ce roi de cœur. Alors, le roi de cœur, avant tout, c'est un personnage, en tous les cas, qui vous aime, qui vous kiffe, qui vous love, qui vous adore. Ça peut être votre partenaire masculin ou féminin, mais ça peut être représenté comme votre papa, ou sinon, si vous n'êtes pas votre papa, comme on l'a vu avec la dame de pique, votre maman, mais il vous protège de là-haut. D'accord ? Donc ça, c'est cool. On a quoi ? On a le fils, on a le meilleur ami ou le frère. On nous parle d'invitation. Alors là, pour certains et certaines, vous serez peut-être invité pour ce week-end dans tout ce qui est dans le domaine familial. Donc là, il y a des bonnes nouvelles, une invitation pour aller manger. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles, mais voyez, de façon assez inattendue. Donc là, il y a de l'invitation. Alors dans le domaine sentimental, si vous êtes toute seule ou alors vous venez de rencontrer quelqu'un, on a cet homme ou cette femme qui a peut-être un fils, un meilleur ami ou un frère. Et là, il y a peut-être un visuel, vous présenter ce fils, ce meilleur ami ou ce frère. D'accord ? Et là, ça peut nous parler d'un repas familial, tout simplement. On peut nous parler de bonnes nouvelles concernant un fils, un meilleur ami ou un frère, de façon assez inattendue. Et les nouvelles vont être rapides. On continue. On nous parle de signature. Signature, c'est signé, c'est acté. Signature d'emploi. Alors, est-ce que vous allez recevoir des nouvelles de votre fils qui va vous annoncer, ou de votre meilleur ami ou votre frère qui va vous annoncer de bonnes nouvelles concernant une offre d'emploi, en tous les cas par rapport à une signature ? Ça, c'est cool, mais on nous parle aussi pour vous, signature de contrat, des bonnes nouvelles qui vont arriver pour tout ce qui est dans le domaine de signature. Alors, les signatures, c'est vaste, hein, c'est signature d'achat, d'offres, dans tout ce qui est dans le domaine immobilier. Alors, on verra si on a l'as de cœur, mais il y a vraiment quelque chose là de bénéfique dans tout ce qui est dans le domaine de signature. Et voyez, c'est signé, c'est acté, vous allez devoir passer devant le notaire, devant la justice, je ne sais pas, en tous les cas, tout ce qui est juridique, ça va être signé, ça va être acté, et ça, c'est plutôt cool. Bon, bah, écoutez, il y a des bonnes nouvelles, hein, que ce soit pour vous, pour que ce soit un enfant, ou un meilleur ami ou un frère, mais que ce soit pour vous, il y a des bonnes nouvelles dans tout ce qui est dans le domaine juridique, et surtout tout ce qui concerne les projets. Projet de vous mettre à votre compte, ça va être signé, vous serez obligé de passer par la case juridique, bien évidemment. Ça peut être concernant l'achat ou la vente, en tous les cas, tout ce qui est projet, c'est plutôt pas mal. Et waouh, 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 le domaine financier, c'est aussi pas mal. Il y a des bonnes nouvelles dans le côté financier. Waouh, on a 3-10. Génial. De façon assez inattendue, mais c'est surtout assez rapide. On nous parle dans les 24 heures, 48 heures. Donc, pour ce week-end, faites attention. Attention, le valet de pique est à côté du 10 de cœur. Donc, faites attention à ne pas trop déballer votre vie ou surtout vos projets. D'accord ? Parce que ça suscitera de la jalousie, que ce soit côté masculin ou féminin, ou de plusieurs personnes. Le valet de pique, c'est soit une personne ou plusieurs personnes. Ouh, accompagné de la dame de carreau. Donc là, vous avez ce valet de pique, soit une personne ou plusieurs personnes, mais ça peut être cette personne plus cette dame de carreau. Donc là, ils sont soit plusieurs, mais ça peut être la seule et unique personne, hein, valet de pique et dame de carreau. Donc là, on nous parle d'une femme pas très sympathique du tout. Donc attention, vigilance. On nous parle de nouvelles, de visuels, de face à face vis-à-vis de cette femme. Et on nous parle aussi, vous avez beaucoup de personnages, vous allez recevoir des nouvelles d'une fille, d'une meilleure amie ou d'une sœur. D'accord ? Donc là, je pense qu'il peut y avoir une réunion familiale ou un repas familial. Donc en tous les cas, là, il y a quelque chose d'intéressant dans tout ce qui est domaine de signature. Mais ça peut nous parler... Bon, alors, j'ai pas l'as de cœur. On va recourir de toute façon le valet de pique et la dame de carreau. Mais sinon, j'ai pas d'as de cœur. Alors, bon, là, on peut nous parler de tout ce qui est dans le domaine familial. Hein, d'accord ? Le 7 de carreau, on ira le rechercher tout à l'heure. Bon, on va faire les associations de cartes. J'ai deux as, bingo, c'est la trahison. Valet de pique, dame de carreau, c'est confirmé.
En roi, j'en ai un, j'en ai deux. Donc, de roi, on nous parle que vous allez recevoir de bons conseils. En dame, j'en ai deux. Mais là, vu qu'il y a la dame de carreau, attention. Généralement, de dame, on nous parle de bonne amie, de bonne entente. Là, c'est niette. D'accord ? Donc, soyez vigilants dans tout ce qui est côté féminin. Trois valets. Trois valets, là, ça nous parle de disputes. On avait la colère tout à l'heure en dos de deck. Bon, là, on a les trois valets qui nous parlent de disputes. Quatre valets, trois valets, la synonyme, c'est qu'il va y avoir un accord de trouver. On a la signature, c'est confirmé. Donc, ça, c'est cool pour vous. Et c'est peut-être par rapport, comme je vous ai dit, un héritage ou peut-être par rapport à une situation problématique, par rapport à une procédure, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? En 10, j'ai vu qu'il y en avait 3. Non, il n'y avait pas 4. Non, il n'y en a que 3. Alors, 3-10, ça nous parle de joie sur un projet. 4-10, 3-10, c'est la satisfaction. Donc, vous allez être satisfaite ou satisfait par rapport à une situation. En 9, j'en ai pas. En 8, j'en ai qu'un. Et en 7, ben, j'en ai pas. Bon. Hop, hop. Et puis, c'est tout. Yes. Valet de pique, on vous dit bien, il y a des gens pas très sympathiques autour de vous. Ok, c'est certifié. Et la dame de carreau, faites attention autour de vous, mon consultant, ma consultante, ou de votre partenaire masculin ou féminin, c'est comme ça. Ou féminin, d'accord ? En plus, elle est à côté du roi de cœur. Hein. Alors, ça peut être une ex, ça peut être une femme qui tourne autour de votre mari ou par rapport à votre femme aussi. Homme, homme, femme, femme, hein, vous mettez à votre compte. Donc, faites attention, il y a une femme pas bonne autour de vous, mais pas bonne aussi autour de votre conjoint ou votre conjointe. Bon, on y va, c'est parti, la petite histoire. Donc, on nous parle bien de ce roi de cœur. Donc, votre partenaire masculin-féminin, il y a une femme pas bonne autour de lui ou autour de votre papa concernant, c'est une femme vénale. En tous les cas, peut-être que vous avez, ça peut être d'ordre problématique, d'ordre familial, hein, par rapport à une situation d'ordre juré, de justice, pardon. Et en tous les cas, on vous doit de l'argent et l'argent, ça sera de toute façon accepté, ça sera rendu puisqu'on a la signature, c'est signé, c'est acté. On peut nous parler aussi avec ce valet de cœur, dans la continuité, on nous parle de signature de contrat pour un enfant, pour un meilleur ami ou pour un frère avec qui il va vous annoncer, mais directement de visuel, hein, donc de face à face, il va peut-être venir vous voir, donc vous allez recevoir peut-être dans les 24 heures, 48 heures des nouvelles de votre fils, votre meilleur ami, votre frère pour vous annoncer cette signature, cette bonne nouvelle. En tous les cas, dans les 24 heures, 48 heures avec ce 10 de pique, vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant de façon assez inattendue dans le domaine juridique ou dans le domaine médical, concernant peut-être vous, mais ça peut concerner aussi une fille, une meilleure amie ou une sœur. Faites attention aussi avec certitude de gens pas bons autour de vous, mais ça peut être aussi cette dame de cœur, on l'a vu avec la dame de carreau. Mais ça nous parle aussi que vous avez peut-être une fille, une meilleure amie ou une sœur qui a des mauvaises fréquentations, avec qui peut-être qu'elle est mal accompagnée, mais en tous les cas, on nous parle de projets pour vous qui vont se réaliser de façon assez rapide, hein, les bonnes nouvelles vont arriver, mais ça peut être aussi, faites attention, vous avez peut-être une fille, une meilleure amie ou une sœur qui a des projets, mais elle a aussi des mauvaises et de la jalousie dans l'air. Mais il y en a partout. On peut nous parler des nouvelles d'un notaire, d'un avocat, en tous les cas, de tout ce qui est dans le domaine juridique, justice, avec ce valet trèfle. Hein, c'est un homme qui est bien habillé, qui a peut-être un petit peu ce côté immature, dans le côté surtout sentimental, qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous en âge, ou légèrement, ou le même âge que vous. Allez, go, c'est parti, mon kiki. Tirage du jour, donc, de ce samedi 22 avril 2023. Monsieur le juge de 54, on y va, c'est parti. Mon kiki, 6 de pique. Attention, collègues, on l'a vu, valet de pique, dame de carreau. Il y a de la tension un petit peu partout, enfin, autour de vous, surtout, de la jalousie. Dans le domaine sentimental, avec ce 6 de pique, on peut nous parler de faire attention dans le couple. Il risque de disputes, mais ce n'est pas méchant, c'est dispute passagère. Accompagné d'un 5 de cœur qui va atténuer ce 6 de pique, qui nous parle de grande joie, de bonheur. Ça peut nous parler, dans le domaine sentimental, de mariage et de bébé. Mais il y a de la jalousie dans l'air. Mais il y en a tout le temps, de la jalousie. Il y en a partout. Partout, 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 partout. C'est comme ça. Que voulez-vous ? Oh, on a 2-2. Alors, on a le 2 de trèfle, 2 de cœur, et on a le 5 de carreau, magnifique, et on a le 3 de cœur. Le 3 de cœur nous parle de quoi ? Nous parle de chance en amour, chance dans les affaires, donc dans tout ce qui est dans le domaine professionnel. Et le 3 de cœur, ça peut nous parler d'une réconciliation. Je vous dis tout de suite les 2-2, comme ça sera tranquille, je ne vais pas oublier. Ça nous parle de belle union. Magnifique. Le 2 de trèfle, on nous parle de profiter de vous, mais profiter de vos amis. Donc, vous allez vous relâcher, peut-être vous reposer pour ce week-end. On nous parle, accompagné d'un 2 de cœur, qu'on nous parle de belles réussites, les rêves se réalisent. Et accompagné d'un magnifique 5 de carreau, qui est la carte d'excellentes nouvelles, on nous parle de bonnes nouvelles dans le domaine professionnel, sentimental et pourquoi pas financière, qui peut nous parler d'aide financière. Bon, bah écoutez, c'est beau, hein ? Bah tiens, sûrement c'est beau. On le souhaite en tous les cas. Bon, la semaine prochaine, je ferai un direct. Hein. Je ferai les cartes sous l'oreiller. Et puis, on fera aussi le jeu de 32, mais je ferai plusieurs directs parce que je ne vais pas faire tout mélanger parce que c'est le bazar.
Le bazar, le bazar. Allez, on y va. Je vous redirai les dates, je vous posterai ça. Allez, monsieur l'oracle des miroirs pour le sentimental, pour ce samedi 22 avril 2023. On a le miroir magique et on a la carte de l'étranger. Alors là, il y a une très forte connexion avec cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer. Et on nous parle de l'étranger, donc peut-être que cet homme ou cette femme n'habite pas dans la même région que vous ou dans le même pays que vous, mais ça peut être cette personne qui a des origines étrangères, tout simplement. Allez, on y go. Touc, 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 touc. Non, pas toi. Hop, voilà. On nous parle de quoi? Oh, on a de l'instabilité, on a de la tracasserie, il y a de l'inconstance pour certains et certaines. Les rêves se réalisent pourtant. Nouveau départ, naissance, grossesse, on nous parle de victoire magnifique, on nous parle d'une situation du passé, mais en tous les cas, on finit avec la joie magnifique. Bon, qu'est-ce qui vous tracasse? Bon, est-ce qu'il vous tracasse parce que cet homme ou cette femme peut-être habite loin? Il y a peut-être de la distance entre vous et vous avez peur que ça ne marche pas. Bah alors, en tous les cas, regardez, vous avez la route fortune, c'est magnifique. Donc ça, je vais juste recouvrir la carte du passé. En tous les cas, vous avez un beau tirage. Hein. Ouais, vous avez, en fait, vous ressentez que c'est la bonne personne, mais je pense que vous focalisez sur le passé, hein, pour certains et certaines. Hein. C'est pas méchant, hein. La carte du boomerang, c'est le passé qui vous revient en pleine figure. Mais je pense que c'est vos émotions. Parce que vous voyez, vous avez ce rêve, mais ça peut être des cauchemars. Hein. Donc j'avais ça. Non. Ça, qu'elles sont. Ah ben, non, là. Elles sont là. Hop là. Bon. Alors, mes amis célibataires, vite fait, bien fait. Vous avez un magnifique tirage, hein, je le répète. On voit qu'il y a de l'instabilité. Vous hein, voyez, déjà, là, de l'instabilité, parce que je pense que vous avez peur au passé. Là, vous allez faire une rencontre. Les amis célibataires. Donc, le rêve se réalise. C'est votre rêve, c'est de faire une belle rencontre. La rencontre est là. Quand vous voyez ça, magnifique. Mais voyez ce petit serpent-là, je pense qu'il y a des démons à l'intérieur par rapport à vos précédentes relations. Parce que direct, bon, l'instabilité en d'autres decks, donc ça va, elle n'est pas dans votre jeu. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ, hein, nouvelle rencontre, nouvelle relation qui nous parle de victoire, magnifique, mais... Les petits démons là entre vous, là, enfin à l'intérieur de vous, cette instabilité peut, le passé peut ressurgir. Mais vous allez ressentir, c'est pour ça que je voulais la recouvrir, vous allez ressentir avec cette carte de clairvoyance que cet homme ou cette femme que vous avez rencontré est le bon. Et ça va vous mettre en joie. D'accord? En tous les cas, vous finirez très bien avec cet homme ou cette femme. Hein. Magnifique. Pareillement pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on a ce rêve, hein, ça y est, ce rêve se réalise, mais il y a ce petit serpent qui est au-dessus de votre tête. Qui vous brouille un peu l'esprit. Pourtant, vous y allez. Nouveau départ, nouvelle relation, victoire, magnifique. Il y a le passé qui revient un petit peu, qui refait surface, mais vous ressentez que c'est le bon ou c'est la bonne personne et vous finirez avec cette carte de joie qui est magnifique malgré cette instabilité. Mais ça, c'est en vous-même. D'où on fait un travail sur soi-même. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, les rêves se réalisent. Enfin, il y a peut-être un projet qui se met en place avec votre mari ou votre femme. Alors, tout va bien, hein. Mais il y a ce petit démon là. Il y a une situation. Alors, on repart sur de nouvelles bases. On a peut-être un projet qui va se mettre en place. On nous parle de victoire. Mais vous revenez en arrière là. Vous repensez au passé. Donc, il y a une situation où vous sentez que c'est le bon moment. Et peut-être ce projet, ce rêve qui va se réaliser, bah, va vous mettre en joie malgré ce stress. Alors, est-ce que c'est le stress de vous casser la figure si vous avez un projet d'acheter ou si vous êtes déjà propriétaire, une résidence secondaire et vous avez peur de ne pas y arriver, etc. Vous voyez, c'est un projet que vous avez peur, c'est un rêve qui se réalise, mais voilà. Mais il y a la victoire, hein. Mais on a les petits démons là qui sont là, on a tous en nous hein, des petits démons qui sont là et qui peuvent se réveiller à tout moment. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer, ça y est, le rêve se réalise malgré ce serpent-là. Hein, donc, vous n'êtes pas très convaincu, vous êtes peut-être perturbé, vous endormez peut-être pas la nuit, vous avez peur que ça se passe mal. En tous les cas, une fois que vous serez divorcé, on nous parle de naissance, vous aurez la victoire par rapport à ce divorce. Mais vous repensez au passé, là, et comme si le passé est là, mais là, on vous dit que ça y est, c'est le bon moment, vous ressentez que c'est bon et que ça va bien se finir puisqu'on a cette carte de joie. Mais on voit que ça vous tracasse, chose qui est normale. Par rapport à ce divorce. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on nous parle que les rêves se réalisent, malgré ce petit serpent, nouveau départ dans votre vie avec cet homme ou cette femme avec qui vous êtes en triangulaire. On nous parle de victoire, quand même, mais on pense au passé. Peut-être que vous avez déjà vécu une histoire comme celle-ci, mais là, vous ressentez que c'est la bonne personne. Et là, ça vous met en joie, malgré ce stress, cette inquiétude, c'est normal.
Ensuite, et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Donc là, le rêve se réalise. Le petit serpent qui est là et qui vous fait rappeler à l'ordre. En tous les cas, on se réconcilie. C'est un nouveau départ. On parle de victoire. On voit bien que le passé, vous, il est bien confirmé. Il revient en pleine figure. Et on vous dit bien que vous le ressentez, que vous l'aimez toujours et qu'il ou elle vous aime toujours. Et on finit par la joie. Malgré cette instabilité. Hein. Non, c'est normal. Allez, ça, c'est fait. Monsieur l'oracle de la Sibylle. J'ai la maison de campagne, hein, donc de cœur, qui nous parle de belles réussites. Les rêves se réalisent avec cet homme ou cette femme. Allez, monsieur l'oracle de la Sibylle, vite fait, bien fait, samedi 22 avril 2023. Oh, on nous parle d'empêchement. En ce moment, ça ressort beaucoup, l'empêchement. On a le 8 de carreau. On a un peu d'argent. Alors, est-ce qu'il y a un peu de distance? Bon, là, il y a un petit peu de distance avec ce 8 de carreau à la différence du 10 de carreau. Et là, on vous dit que... Alors, vous allez recevoir des nouvelles, mais peut-être que pour certains et certaines, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, ça peut nous parler d'un rendez-vous loupé. On peut peut-être... Vous avez peut-être un rendez-vous chez votre médecin, je ne sais pas. Ou voilà, il y a un rendez-vous qui pourrait être annulé. Vous allez le recevoir par email, par texto, par téléphone, je ne sais pas. Mais il y a un empêchement, là. On nous parle d'un petit peu d'argent. Donc, vous êtes économe, vous faites attention par rapport à cet homme ou cette femme qui habite un petit peu, peut-être un petit peu loin. Et peut-être que vous êtes prudent et prudente concernant les... si vous prenez le train, la voiture, parce que vous savez que ça coûte cher, hein, ben tiens, fais attention maintenant, hein. Ben oui, il faut faire attention. Waouh, magnifique. Regardez-moi ça. Homme de loi. Mariage. C'est la fête. Magnifique. Donc cet homme ou cette femme, vous aime vous qui vous, là, vous adore et on nous parle vraiment de belles choses. Hein. Et c'est confirmé. Il y a de l'amour dans l'air et on retrouve cette carte d'instabilité. On a la constance. La carte de l'inconstance, c'est la carte de l'instabilité. Donc c'est les tracasseries. On est instable, on n'est pas bien, on cogite, on a ce 6 de pique. Alors il peut y avoir des petites disputes. On l'avait vu tout à l'heure avec Monsieur le jeu de 54. Des petites disputes dans le couple, mais passagères. Mais faites attention aux collègues, il y a de la jalousie ou autour de vous. Bon, en tous les cas, c'est signé, c'est acté. Il y a l'homme de loi pour le mariage. Hop, et on fait la fête, les plaisirs, divertissements. Pour d'autres, ça peut nous parler de bonnes nouvelles concernant tout ce qui est lié aux procédures. Là, on a ce 5 de cœur qui est magnifique, qui est la carte de la grande joie, du bonheur. Donc, vous allez apprendre des bonnes nouvelles. Et le 2 de carreau, ça peut nous parler de décisions à prendre. Vous allez reprendre les choses en main suite à ces décisions. Et ça peut nous parler aussi d'une belle évolution professionnelle ou alors concernant une offre d'emploi. Mais pour d'autres, ça peut nous parler aussi de vous mettre à votre compte. Bon, bah écoutez, hop là, j'ai la carte de l'absence qui vient de tomber. Nous avons le 6 de carreau, mais c'est magnifique puisque le 6 de carreau, tout ce qui était bloqué, ça se débloque. Et c'est les signatures de contrat. Donc, elle a voulu parler. Quand vous avez une carte qui tombe, que ce soit du jeu ou par terre, il faut absolument la lire. Hein. Alors, par contre, si vous... Alors, c'est vrai que ça arrive. Alors, c'est très rare, mais ça arrive. Hein, parce que moi, j'ai déjà eu des commentaires. Par contre, quand vous vous baladez, vous pouvez risquer. Hein, je sais que j'ai eu des commentaires, moi, ça m'est déjà arrivé. Et vous baladez comme ça et vous voyez un jeu de cartes ou des cartes qui tombent, qui sont par terre. Alors, surtout, il faut lire celles qui sont retournées, mais pas celles qui sont non retournées. Vous ne les regardez pas. C'est les messages qu'on vous donne quand elles sont retournées, quand elles sont par terre. D'accord? Et ça arrive, hein. Bon, ça m'est déjà arrivé, hein. Donc, ne jamais toucher la carte qui est par terre pour la retourner. Vous lisez, alors pour celles et ceux qui connaissent un peu, c'est pour ça que moi j'ai déjà fait des vidéos du jeu 32, mais je vais refaire. Mais voilà, vous lisez celles qui sont retournées. Ne jamais retourner une carte que vous ne voyez pas. Jamais. C'est pas bon. Allez, on y va. C'est parti, monsieur le Béline, samedi 22 avril 2023. Waouh, magnifique. Bon, il y a la protection dans le domaine de tout ce qui est lié au travail. Si vous voulez vous mettre à votre compte, vous êtes mais W protection. Là, c'est la carte bleue, c'est la carte la plus forte dans monsieur le Béline. C'est là, vous êtes protégé. Peut-être des nouvelles concernant une offre d'emploi, d'une évolution professionnelle, une élévation professionnelle. En tous les cas, là, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Et si vous voulez vous mettre à votre compte, c'est plutôt favorable. Ah ben, j'en ai deux. Elle a voulu parler. On vous demande de vous reposer. Pour certains et certaines, vous allez vous reposer. Waouh! Attention. Waouh, 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 waouh. Magnifique. C'est génial. On parle de vous, mon consultant, ma consultante. Vous avez la réussite. Grand changement. Et surtout, de façon inattendue. Il y a des bonnes nouvelles. Hein. Et suite à ça, vous allez enfin vous reposer. On a quoi derrière? Eh, je ne vais pas plus loin. Regardez-moi ça si ce n'est pas bon. Il y a des bonnes nouvelles concernant le financier. Je regarde juste derrière. Je fais ma curieuse. Eh, non, mais j'en fais exprès. Hein. C'est plus fort que moi. On m'appelle. Retourne. Vas-y, vas-y. Là, nouveau départ. Nouveau départ dans le domaine suite à une situation qui était peut-être problématique, peut-être par rapport à une procédure. Mais là, magnifique. Alors, je ne vais pas plus loin. Hein. Alors là,
Alors là, sûrement pas. Bah oui, question logique, dans un tirage, dans un jeu de cartes, vous avez des cartes négatives, des cartes positives. Donc, c'est sûr que si vous voulez recouvrer des cartes positives, c'est sûr que là, ça chamboule tout. Donc, surtout pas recouvrir des cartes positives. Non. Allez, on y va. C'est parti. Mon kiki, Monsieur le Grand était là samedi 22 avril 2023. Bon, on nous parle de la carte de la dissension. Alors, la carte de la dissension nous parle de désaccord de violence. Là, c'est le côté gauche. On n'est pas content. On est en désaccord. Mais ça peut être la partie adverse si vous êtes, par exemple, dans une procédure. On nous parle direct que c'est retardé. N'oubliez pas, planète Saturne. Retard contre temps. Là, on est en plein dedans. On a un 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est on se protège de l'extérieur des gens méchants. Il faut faire attention. D'accord ? Donc là, on a cette carte de dissension. On a c'est quoi le cavalier de bâton, lui hein ? Ouais, c'est ça, il tient son bâton. Donc lui, le cavalier de bâton qui est là, nous parle de quoi ? De courage. On peut nous parler d'un prétendant qui se bat pour vous avoir. Mais là, peut-être qu'il y a un ex dans le domaine sentimental qui pourrait revenir, mais qui n'est pas content parce qu'il fait tout pour... il ou elle va tout faire hein, pour revenir, mais c'est pas dit que vous acceptez. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais là, il y aura des choses à régler avec cette personne. Ouais. Waouh, magnifique. Vous avez un as de coupe, magnifique. On nous parle de parents. On a le 5 de coupe. Alors, c'est vrai que le 5 de coupe, on peut nous parler de tout ce qui est... c'est vrai que c'est des coupes. Alors, c'est vrai que les coupes, c'est tout ce qui est l'émotion. Ça peut nous parler d'amour, bien évidemment. Hein. Les coupes, c'est les cœurs. Ça peut nous parler de spiritualité. Et c'est aussi les gens qui nous entourent. Mais là, ce que vous ne voyez pas. Et là, les gens qui nous entourent, là, vous avez vos parents. Et là, peut-être que vous allez être déçus. Bon, il est à l'envers, ce 5 de coupe. Donc là, il y a peut-être eu de la déception dans le passé. Et là, on nous parle d'ambition. On a cette prospérité, cette abondance avec ce 6 de denier. Donc là, pour certains et certaines, peut-être qu'il y aura une réconciliation, peut-être avec un membre de votre famille, peut-être des parents. Parce que là, on a vous, mon consultant, ma consultante. On a une femme brune, on a la dame de denier qui est positive. Là, elle est côté droit. Et là, on a cet as de coupe qui est quand même à l'envers, côté renversé. Mais on a du changement. Donc là, c'est comme si que vous allez avoir des bonnes nouvelles. C'est comme s'il va y avoir une réconciliation familiale. Mais il va y avoir l'intervention d'une femme. Alors, ça peut être une sœur, en tous les cas. Mais là, c'est la dame de denier. Alors, la dame de denier, elle, c'est une personne qui est stable, qui est dans la sécurité, qui est dans l'abondance, qui est courageuse, qui est dans le réconfort. Donc là, c'est comme si, pour certains, vous allez vous réconcilier avec un membre de votre famille, voyez ? Parce qu'il y a eu des histoires. Il y a eu des histoires, il y a le peuple là qui est derrière. Donc là, il y a un changement bénéfique, positif pour vous par rapport à une situation. Peut-être que vous avez été fâché avec un de vos parents ou un frère et sœur, mais là, il y a une situation qui pourrait se décanter par rapport à ça. Et ça, c'est cool. Allez, tirage du jour de ce samedi 22 avril 2023. Allez, on y va, c'est parti. Mon kiki, monsieur Papus. Waouh, génial. On nous parle de réussite. Voyez, on a encore cette carte de retard. On a ce 9 de bâton. Hein. On a le 9 de bâton. On nous parle d'un signe du mois de mai ou d'une période du mois de mai. Donc, j'ai taureau et gémeaux. J'ai le mois de juin, donc c'est gémeaux et cancer. C'est ça, hein, si mes souvenirs sont bons. Et là, on nous parle d'un 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la célébration. C'est on se réunit. C'est l'amitié, c'est les gens autour de vous. C'est la joie de vivre, on est positif, etc. etc. Vous allez voir la Miss Lilou, normalement. Attendez, voilà, elle est là. Hop, elle vient de se réveiller. Voilà, je vais lui ouvrir la porte, bien sûr. Hein, Miss Lilou ? Bah tiens, allez, vas-y. Bah oui, elle va casser la croûte, hein. Bah, il faut que ça mange, un animal, et oh. Donc, on nous parle de réussite. Il y a de la joie, il y a du bonheur, réussite. Mais elle ne se fait pas encore tout de suite. Alors, c'est vrai que le 9 de bâton, on l'avait sorti tout à l'heure. C'est qu'on, avec Monsieur le Grand était là, c'est qu'on se protège de l'extérieur des gens méchants. Donc là, pour certains et certaines, c'est comme si dans le domaine sentimental... Ah, Jean-Claude, il va être content. C'est comme si dans le domaine sentimental, il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous. Il ne veut pas être fâché ou elle ne veut pas être fâchée avec vous. Alors, ça peut être un ex, ça peut être une amie, dans le côté amical, dans le domaine familial. Donc là, il y a une situation où il pourrait y avoir un arrangement. Mais c'est à vous de dire oui ou non. Tout simplement. Ah ben oui, vous décidez quand même. Ouh ! Oh ! Ok. On a la dame d'épée. Alors, la dame d'épée, elle, c'est une personne qui est intelligente, qui est honnête, qui est peut-être à la fois dure, qui a du caractère, mais vous pouvez lui faire confiance. Donc là, vous avez du soutien.
Nous avons la maison Dieu. La maison Dieu, c'est l'effondrement. C'est les choses qui se cassent la figure, pour être poli. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est cassé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être avec une personne, sentimentalement, amicalement, familiale. Donc voilà, là, c'est cassé. Alors, ça peut nous parler d'un signe du Capricorne ou d'un signe du Sagittaire, si ça vous parle. D'accord ? Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que vous avez l'or. Vous avez le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il est à l'endroit. Alors, le 5 de bâton, quand il est à l'endroit, nous parle de confusion. Ça peut nous parler de disputes, de compétition, ça bouillonne à l'intérieur de nous. Mais vous avez cette carte de l'or. La carte de l'or, c'est la victoire. Vous voyez, vous avez tout ce qui est lié aux finances, mais là, vous avez au-dessus l'argent et l'or qui est au-dessus. Donc là, il y a quelque chose de riche qui va vous être annoncé ou on va vous donner quelque chose de très important. Mais c'est par rapport à une situation qui s'était cassée la figure. Là, c'est comme si, vous voyez, vous étiez au plus bas et là, vous remontez. Vous voyez, les bâtons sont à l'endroit. On repart comme en flèche. Et regardez, vous avez la loterie. Donc là, il y a une victoire. Alors, on a un signe, je vous le dis. Donc là, on a le signe du Capricorne Sagittaire. Alors, peut-être est-ce que c'est une personne qui est négative ? Hop, je vous ai dit, maître nombre 22, maître nombre puissant, face à l'adversité. Alors, ça peut être eux, le Capricorne ou le Sagittaire, qui va se casser la figure aussi. Parce que vous allez gagner, peut-être par rapport à une procédure. Enfin, c'est même sûr, puisque là, on a l'or, on a la loterie. Donc, là, on vous dit qu'on va vous donner raison. On a un signe du mois d'avril, bélier, taureau. Et on a un signe du mois de février, poisson, et c'est Verseau. Et là, on vous parle de la loterie, le 10 de denier. C'est l'abondance absolue. Concernant un héritage, concernant un procès, concernant... C'est la richesse. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Il y a un événement. Je vais recouvrir la maison Dieu. Je suis à combien ? 31 minutes. On a quoi ? Ouais, partie de campagne. Magnifique. Vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle de choses rapides. Les nouvelles vont arriver. Les idées vont fuser. Les nouvelles vont arriver très vite. Donc là, sur une situation qui était catastrophique... On a essayé de peut-être vous mettre à bout, on vous a mis au plus bas. Là, vous repartez. Vous repartez, vous voyez, les bâtons, pareil, ils sont à l'endroit, vous repartez. C'est une très belle évolution. On a un signe du mois de mai, taureau et gémeaux. Ok, donc ça, c'est cool. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Ça, c'est cool, on avait la dame... Bon, on a des amis, vous avez retrouvé votre équilibre. Parce que tout à l'heure, c'était la dame d'épée. Allez, le petit tarot des bohémiens. Oh, j'ai des trucs là, ça m'énerve. Oui. Jean-Claude, j'ai eu ton mail. Je ne peux pas répondre, Jean-Claude. J'ai trop de mails. Mais je l'ai vu, il me semble, hier. Parce que Jean-Claude, il adore quand je dis Jean-Claude. Il adore. Allez, c'est parti. Ça y est, t'as bien mangé ? Ben oui, c'était bon. Ben oui, tu t'es calé. T'as fait l'apéro. Ben oui, elle fait son petit apéro. C'est apéro croquette, Lilou. Allez, on y va. Petit tarot, elle est là, je pense. Tu viens ? Je la porte pas parce qu'il ne faut pas les porter, les animaux. Enfin... Quand ils viennent de manger. Allez, je te laisse tranquille. Allez, on y va, c'est parti. Tirage du jour de ce samedi 22 avril 2023. On a un 9 de carreau, on nous parle de retard. Elle est ressortie beaucoup, cette carte. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Et on a le 9 de bâton. On se protège de l'extérieur, le 9 de bâton. Ou à des gens pas très sympathiques. D'accord ? Et on nous parle de cet as de bâton. Oui, c'est ça, as de bâton et as de carreau. Donc là, on nous parle de nouvelles, de visuels face à face, vis-à-vis des, peut-être des ennemis, de votre adversaire, mais en tous les cas, as de bâton, magnifique, c'est vos souhaits se réaliseront. C'est les énergies soudaines, l'as de bâton, c'est les choses inattendues, c'est les choses qui arrivent, les opportunités qui déboulent, à fond la caisse. Hop, 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 trois petites cartes. Donc là, il y a vraiment des choses qui vont se décanter, c'est magnifique. On a quoi ? Magnifique, magnifique. On a quoi ? Un 2 de denier. Le 2 de denier nous parle d'équilibre. Alors, pour certains et certaines, vous allez retrouver votre équilibre, votre stabilité, mais il va falloir la garder. Il faut toujours garder son équilibre, ne pas tanguer. Dans le domaine sentimental, on peut nous parler d'une relation difficile. Alors, peut-être que cet homme ou cette femme, si c'est dans le domaine sentimental, il y a un petit peu de complications, c'est pas méchant, ou alors la personne a du mal à s'investir, d'accord ? On a ce 6 de carreau. Le 6 de carreau, magnifique carte, c'est la carte des déblocages. Ça nous parle de signature, c'est tout ce qui est signature de contrat ou signature d'achat, de vente, en tous les cas, c'est magnifique. Les choses vont se débloquer. Et surtout ce 6 de bâton, qui nous parle de quoi ? Qui nous parle de succès, de triomphe, c'est la victoire. Mais on doit garder les pieds sur terre, ben oui. Nous avons cet arcane majeur, le pape. Le pape, c'est la bienveillance, c'est l'union dans le domaine sentimental, c'est la protection de là-haut, que ce soit... le divin ou vos amis ou vos parents qui ne sont plus là ou des personnes qui vous sont chères, qui sont là ou qui vous protègent, on vous protège de tout. Je vous ai dit, maître nombre 22, c'est la protection, la victoire, la réussite, les choses qui se débloquent,
l'union, la bienveillance, des bonnes choses vont arriver pour vous. Et on termine avec ce beau quête de cœur et ce quête de coupe. Le quête de cœur nous parle de soutien de la famille, du partenaire. Ça peut nous parler de déménagement. Enfin, ça y est, vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant un déménagement ou un futur déménagement. Mais le quête de coupe, la bonne nouvelle, c'est qu'il est à l'envers. Quand il est à l'endroit, le quête de coupe, on nous parle d'ennui. On est ennuyé, on est bloqué, on réfléchit, on est triste. Et bien là, le quête de coupe, il est à l'envers. Donc tout ce qui était ennui, les blocages, la réflexion, etc. Soups, du balai, hop, au suivant. Non, j'ai plus de jeu. Bon, en tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Donc, demain, on se retrouvera pour votre guidance de la semaine prochaine. Dès de la semaine prochaine, je ferai les signes astrologiques du mois de mai 2023. Bah oui, là, je prends de l'avance hein, quand même. Bah, tiens, sûrement, eh oh. Et puis, je vous fais aussi, donc, demain matin, il y aura, ou demain après-midi, enfin, tout dépend comment je vais goupiller à mettre par rapport au téléchargement. Donc, je ne fais pas trop de bêtises, parce que si je mets trop d'un coup, ça bloque tout. Ça, c'est la mer au lait, dans toute sa splendeur. Et donc, oui, je vous mettrai ça, la guidance de la semaine, bah, demain matin ou dans l'après-midi, peu importe. Mais en tous les cas, je fais un tirage spécial pour les 60 ans. D'accord ? Et puis, dès la semaine prochaine, si j'ai le temps, je ferai aussi pour les 70 ans. D'accord ? Donc, mais si j'ai le temps, sinon ça sera lundi ou mardi, d'accord, de la semaine prochaine, ok. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, grosse pensée pour celles et ceux qui travaillent pour ce week-end, grosse pensée pour nos amis parisiens qui sont en vacances, donc bonnes vacances pour celles et ceux qui peuvent partir en vacances, et grosse pensée pour celles et ceux qui ne travaillent pas, bien évidemment, et pour celles et ceux qui sont en week-end, donc reposez-vous. D'accord, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se retrouve donc en tous les cas, nous, pour certains et certaines, dimanche. Dimanche soir, pour votre tirage du jour du lundi 24 avril 2023, si je ne me suis pas trompée. Ciao, ciao, bye bye. Et comme d'habitude, la mère au lait vous aime, vous kiffe, vous love, vous adore. À très bientôt et surtout à demain. Ciao, ciao, bye bye.